quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h46. Et j'ai pas le planning devant ma gueule, donc du coup, je sais pas de quoi on parle. C'est ouf, hein. Ah, putain! Je suis tombé sur un nouveau spécimen. C'est, faut que je vous présente, pour être honnête avec vous, à la base, je savais pas qui c'était cette dame. J'étais juste tombé sur une vidéo, tu vois. Et entre-temps, en fait... alors, à la base, moi, je comptais vous le demander. Genre, qui est cette dame, tu vois. Mais entre-temps, j'ai trouvé. J'aimerais vous présenter une dame du nom d'Abby Brad. C'est un nouveau nom dans le complotisme, ou un tout petit nom dans le complotisme. Mais elle est un de ces levels qui est incroyable. Donc, du coup, et elle a l'air d'être un peu plus violente que... comment ça s'appelle ? Que la moitié, comment ça, quand il va voir ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Wow! Wow! Mais pourquoi vous me narguez comme ça en MP? Bref, donc du coup, j'ai un nouveau spécimen à vous montrer, et c'est grâce à ce compte Twitter qui est tout bonnement incroyable pour découvrir des nouvelles têtes dans le complotisme. Donc du coup, on remercie l'expat qui a déniché Abby Brad. Je vous laisse écouter, c'est pépite. Hein. La journée commence bien. Bon, c'est pour les initiés, hein, cette vidéo-là. Hein. Je permets... Alors, il n'y a pas de volume, donc du coup, permettez-moi de couper la musique et de vous mettre un boost de volume. Voilà, ça devrait le faire. Tac. La journée commence bien. Bon, c'est pour les initiés, hein, cette vidéo-là. Hein. Je permets pas de commentaires. De toute façon, je les enlèverai. J'ai fait savoir que je suis le seigneur maître de l'ordre des druides de Stonehenge. Le seigneur maître des seigneurs de druides de l'ordre des druides de Stonehenge, de quoi Donc vous allez arrêter de casser les couilles à mes adeptes. D'accord, madame. Enchanté. C'est alors moi, niveau casse-couille, je j'ai un bon level, on va pas se mentir. Mais d'accord, parce que vous avez des adeptes en tant que grand seigneur de l'ordre des druides de Stonehenge, du coup, j'aimerais savoir. Parce que quand vous en prenez à un d'entre eux, vous vous en prenez à nous tous. Ok, donc déjà, on tape sur une secte directe. Ben, vas-y, dis-nous. Vous allez tous nous prendre dans vos gueules. D'accord, c'est Thanos. C'est Thanos, mais origine, si tu veux. C'est Abby. Reste plus qu'à avoir un duo Abby-Rachel et tout, si tu veux. Ou alors non, peut-être qu'elle apparaît pas dans l'éther. Et donc, du coup, Rachel, elle va pas l'accepter. On sait pas. Étoile montante du complotisme, moi, je vous dis. Nous sommes plus forts que vous, vous le savez. Ah ouais, carrément. Bien plus forts que vous. Ah ouais. Vous ignorez qui sont les membres de cet ordre. Vous êtes une secte, nous sommes un ordre. Ok, d'accord, ok. C'est du coup, je vous présente Abby Brad. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Scénariste et actrice française. Non, c'est coup de gueule. Attends, on va voir ça. Attends. Dieu est parmi nous. Bonjour. Ah merde. Bien. Je vais en faire hurler plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ton filtre, en fait, il va pas jusqu'au bout de ton image? Déjà, ça me stresse. Bref, je m'en fous. Ils en penseront ce qu'ils veulent. Mais qu'ils viennent pas me faire chier, s'il vous plaît. Non, moi, venez pas m'embêter. Jésus-Christ était le roi des cieux. Vous avez vu comment il était reçu par les sionistes? Attends. De quoi? C'est direct? Vas-y. Tout le monde connaît son histoire. Sauf qu'il n'est pas mort sur la croix. Il a été récupéré par l'ordre de Sanche. De quoi? En pleine nuit. Et où est-il parti? Avec les deux autres maris. La Sainte Vierge, sa mère, et Marie-Madeleine, sa femme. Puisque la scène peinte par Léonard de Vinci n'est pas le dernier repas du Christ. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, la dame? Je comprends pas. Pourquoi le mariage du Christ avec Marie-Madeleine? Ils sont partis ni plus ni moins que Sainte Marie de la Mère, Jésus déguisé en femme. Quoi? Ils sont allés au Sainte-Marie de la Mer? C'est quoi? C'est la station balnéaire du moment, c'est ça? Non, on parle des trois maris. En réalité, il n'y avait que deux femmes et Jésus. Jésus a eu deux enfants avec Marie-Madeleine. Jésus 2, qui n'a Jésus 2. Pas eu de descendance. Et Joséphine, mère des rois mérovingiens, maudits par les Templiers, qui étaient à la solde, nous le savons tous, du Vatican et du prieuré de Sion. Le Sion dans Matrix? C'est... Attends, quoi?
L'ordre de Sanche a gardé la momie Christi. Bon, ça c'est pour l'histoire de Jésus. Maintenant, Jésus s'est réincarné. Et en qui sont-ils réincarnés? Prophète Mohammed. Voilà pourquoi le Coran est bien plus précis que la Bible. Il a réglé quelques petites imperfections qu'il y avait dans la Bible. Donc, passionné. Tu viens de faire exploser deux religions en un coup. C'est... Vous le savez très bien, vous êtes fini. Ah! Fini. C'est les sionistes, du coup, d'accord. Une alliance musulmane, islamique, chrétienne, pour ceux qui ont la foi. Oh, je parle pas des évangéliques. Elle veut faire un crossover, les croisés islamistes, pour aller goumer du sioniste? De quoi? Évidemment, puisqu'ils sont sionistes. Bon, ce sont les premiers. Il y en a d'autres, hein, chez les chrétiens, on est bien d'accord. Comme il y en a chez les musulmans aussi, hein, on est bien d'accord. On est atterri où, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cette dame? Comment ça? Comment ça? C'est quoi? Faisons une alliance. Ayons foi en Dieu. Parce que Dieu est de nouveau sur Terre et s'est réincarné. Ah bon, c'est qui? Il est là. L'élu est là, sur Terre. Elle va pas nous dire que c'est elle? D'accord! Ok, ok, super. On a un autre échantillon, ça se passe comment? Dédicace à Emmanuel Macron. Bah vas-y, c'est parfait. Petite dédicace. Non, qu'est-ce qui se passe là, déjà là? Non, 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 non. Tu es maître de l'ordre des druides de mes couilles. Non, 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 non. Est-ce pour Emmanuel Macron de la part des vraies femmes françaises? Pourquoi elle a son filtre? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Emma, regarde, elle a le filtre là qui s'arrête là. Regarde, regarde, le filtre là, il s'arrête là. Regarde, là, c'est bon. Et là, c'est une danette. C'est une danette Instagram. C'est une danette Instagram en haut, c'est une danette Instagram en bas. Ça me stresse. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Ça chante Brigitte. Mais on m'avait pas dit que c'était Salut c'est cringe ce soir. On y va. Ah ouais. Vas-y. Maintenant, faut que je lance aussi. Macron est un dictateur. Macron, il vend de la ah ouais, ils sont pétés un peu. C'est de la ligne éditoriale de sa chaîne, elle est relativement variée, hein. Macron ! Explosion ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, il y a combien de mèmes à la seconde, là, en fait, dans sa vidéo ? Moi, ils sont au même niveau, hein. Comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? La liberté de manifester est constitutionnelle! Et la dictature de Macron s'en tape! Mais qu'est-ce qui se passe?
ça. Ça, c'est un TFTT, mais on va pas le faire. C'est... Ok, très bien. Eh bien, bonjour à toi, du coup, Abby. Et on est ravis de faire ta... Qu'est-ce que c'est que ça? Variole du singe, vas-y. Hey, I got a bag of fun. Nous avons retrouvé la variole gros clito du singe poudré. Attends, qu'est-ce que quoi? Non, de quoi? Comment ça? Attends, c'est tout? C'est juste dans la gueule à Brigitte, c'est ça? C'est... D'accord, très bien. Sioni, c'est une quelle 3? C'est quoi, la troisième catégorie? De quoi? Qualité waouh. Qualité supérieure. Toi-même, tu connais. Regarde les détails. Il y a les uns, il y a les autres, je l'ai toujours dit. Et ce genre d'article fait partie des uns. Les uns. Oh, mais elle est chelou, sa chaîne à l'autre. Où est-ce qu'on a atterri, bordel de merde? Ok, très bien, hein. Très bien. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, attends. Oh, il y a Pierre-Orca qui nous a envoyé un deuxième strike. Oh, prochain, on perd la chaîne. Waouh. Mais attends, quoi? Stylé. Oh non, oh merde, non, on va perdre la chaîne et tout, vous vous rendez compte? Ah, oh, c'est trop triste. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, vous pouvez liker, commenter, t'abonner, partager, comme Algorithm, nous jouons sur YouTube ou sur Trovo, sur Kik ou sur ce que tu veux, hein, et puis voilà, hein. Comment on coupe cette merde? De quoi? L'escargot? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour Rachel que je suis venu, elle au moins, elle me fait marrer. Non mais elle arrive, Rachel, c'est juste maintenant, tu te calmes. Bouton rouge, merci.